Bon ben bonjour à tous, ici Benoît Boutiette. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éditer des fichiers SoundFound avec des fichiers vidéo. Fait que je suis désolé d'avance si je l'explique pas très bien. Donc là, je vais vous montrer les notes que j'ai faites. Là, vous voyez ici que j'ai fait des échantillons audio au format FLAC parce qu'avec la version récente 2.1 de Polyphone, on peut maintenant importer des fichiers FLAC. Mais n'empêche que les fichiers finaux vont être en fichiers non compressés. Et aussi, une autre affaire, c'est que mes fichiers SF2, ce sont des fichiers qui sont maintenant associés au logiciel Polyphone. Donc, quand je vais double-cliquer dessus, ça va l'ouvrir avec le logiciel Polyphone. Donc, pour commencer, mes échantillons audio, mettons. Ben, que j'ai nommé avec en fonction des instruments puis des notes. Et pour importer des échantillons, vous cliquez ici et ça, vous pouvez aller les télécharger sur n'importe quel dossier qui sera au format WAV ou FLAC. Donc moi je l'ai déjà fait. Et mettons pour un instrument, mettons Noise Bell ou mettons glace parce que moi j'ai utilisé un verre avec de l'eau dedans pour importer des ben, pour que j'ai enregistré avec mon téléphone. Et ce que vous pouvez faire, ben, dans le fond je vais vous le montrer. Mettons tu prends une note et tu l'associes avec une note de base qui est 94, vous regardez ici 94, dans ce cas-ci un si bémol. Et vous pouvez aussi corriger la note en centième ici, ça peut être un plus ou un moins. Et habituellement, la fréquence d'échantillonnage audio est de 44,1 kHz en mono ou en stéréo, mais dans le cas de la stéréo, ben. Vous aurez deux échantillons audio distincts que vous pouvez éditer séparément, ce qui est une bonne chose, somme toute. Et c'est ça, ben, cette version du logiciel a plusieurs nouvelles fonctionnalités que je pourrais peut-être pas toutes vous expliquer. Là, je vais vous montrer aussi, mettons une des notes que j'ai faites avec la flûte. Pour faire un looping, ben, vous avez des boucles, ben, du moins une partie de la boucle que vous pouvez faire, comme par exemple comme ceci. Et là, on s'entend, on ne veut pas qu'il y ait de clic lorsque la barre passe d'ici à ici. Donc, ce qu'il faut faire, vous zoomez en cliquant avec la souris de droite, puis en tassant la souris vers la droite sans lâcher le clic. Puis, vous voyez la courbe ici. Dans le fond, ça va être juste la partie audio qui est juste à l'entour de cette barre. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est de les superposer. Parce que le problème, c'est que si vous ne superposez pas ces deux boucles audio, ça va faire un clic comme ceci. Vous ne voulez surtout pas que ça arrive. Donc, assurez-vous de bien aligner les deux comme ceci, comme je l'avais fait au début. Fait que faut que ça soit superposé. Donc, ce que vous. Fait que la manière dont ça fonctionne, c'est que vous l'associez à une note de base, vous pouvez faire une correction de note. Donc, dans le fond, la manière dont ça fonctionne, c'est que si vous l'associez à un certain nombre de notes, comme sur le point orange, c'est dans le fond, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait.
Ben, en fait, je veux dire, mettons qu'on va prendre Noise Bell, OK? Comme un instrument que j'ai fait. Donc, dans le fond, le principe est le suivant. Vous associez chaque échantillon à un certain groupe de notes ou à une note toute seule. Comme par exemple, si on prend, si vous regardez en haut, ce qui va être en bleu, c'est l'échantillon qui va jouer. Puis là, vous voyez le truc bleu. Donc, en fait, je l'ai associé à un groupe de quatre notes. Donc, à toutes les quatre notes, il y aura un autre échantillon qui va jouer. Le but, c'est d'éviter le manque d'harmonique dans les notes graves et aussi d'éviter l'aliasing sur les notes aiguës. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais le problème aussi, c'est que des fois, j'ai téléchargé des fichiers SoundFont, mais qui n'avaient pas, mettons, une bonne transition entre un certain groupe de notes. Donc, assurez-vous d'avoir un intervalle quand même assez faible. Sauf peut-être pour, mettons, pour les notes aiguës ou les notes graves, mais tu sais, dépendamment. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Sinon, vous avez l'étendue de la note pour chaque échantillon. Puis, vous avez aussi une certaine étendue de vélocité. Ben, c'est-à-dire que, mettons, vous avez un instrument physique à laquelle vous faites jouer une note fort ou faible. Parce que des fois, ça ne joue pas exactement de la même façon. Donc, mettons, vous avez deux notes qui est en fait la même note, mais à des volumes différents. Un des échantillons, vous pouvez l'associer, mettons, à une vélocité plus, à un intervalle de vélocité plus élevé, alors que l'autre échantillon de son plus faible, vous pouvez l'associer à une étendue de vélocité plus faible, comme j'ai déjà vu sur certains fichiers SoundFont. Puis vous avez l'atténuation décibel, la balance moins 50-50, gauche-droite, lecture en boucle, mettons pour le real flute, vous avez le choix. Pas de boucle, une boucle à l'infini, puis une boucle pas à l'infini. Fait que c'est à votre choix. Et c'est ça. Vous avez des notes de base, accordage de mi-ton, centième, réglage de tonalité, fi les filtres. Les délais, attaque, maintien, déclin, puis plein d'affaires ici, volume, LFO, vous avez plein d'options. Puis c'est ça, là je vais vous montrer maintenant comment ajouter un instrument. Vous cliquez sur un instrument, vous marquez n'importe quoi, ça peut être un piano, une guitare, une trompette ou peu importe. Puis dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur la souris de droite. Vous cliquez sur associer à, mettons, tel instrument, glace, Nozbel, comme j'avais fait. Mais ça, c'est pas la phase finale. Parce qu'en fait, vous avez créé des instruments, mais vous pouvez aussi créer des ensembles qui vont être des l'audio qui va être utilisé lorsque vous l'utiliserez dans un logiciel de création musicale assisté par ordinateur, comme, mettons, LMMS, FL Studio, Ableton ou peu importe. Ça dépend quel logiciel prend en charge les SoundFonts. Je sais que FL Studio le prend en charge. Sais, si par exemple, t'sais, moi j'ai fait un instrument qui s'appelle, mettons, Toy Guitar. Puis moi, j'ai fait trois ensembles différents. C'est-à-dire que j'ai fait la guitare avec un seul instrument. Mais dans ce cas-ci, dans Toy Guitar Wet, j'en ai fait deux différents. Donc, dans le fond, ce que ça donne, c'est que moi, j'avais fait un accordage en centième de moins 5 centièmes pour l'un, puis de 5 centièmes pour l'autre, avec une atténuation de 6 décibels chacun. Puis, ça fait comme un genre de bandwidth, ou si je peux dire ça comme ça. Versus le Toy Guitar ordinaire. Et pour ce qui est de l'instrument Toy Guitar LFO Frequency, vous avez, mettons,
le verbe LFO, frequency, à quelle amplitude de note, mettons 60 centièmes. Donc ça sonne comme ceci. OK. Et il y a aussi une autre affaire que je voulais vous montrer. C'est que si, mettons, vous voulez activer le chorus ou la réverbération pour l'utilisation dans un logiciel de création musicale, vous pouvez, mettons, mettre 100%. Ben, en tout cas, pour ceux qui utilisent LMMS, ben, eux autres, ils vont peut-être comprendre, là, mais sinon, pour les autres, peut-être aussi. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, c'est que pour les ensembles, vous avez des banques de sons, vous avez des ensembles que vous pourriez choisir lorsque vous créerez de la musique. Donc, dans le fond, vous avez le choix. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Dans le fond, c'est juste de trier des instruments pour pouvoir les utiliser ultérieurement. En fait, je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Je vais ouvrir LMMS. Fait que dans le fond, je m'en vais dans mes soundfonts ici, moi. OK. Dans le fond, c'est que vous avez des certaines banques, des patchs. Puis là, vous cliquez sur, mettons ça. Fait que dans le fond, c'est vous triez les instruments de cette façon. Puis vous pouvez toujours le faire varier comme ça. Fait qu'en gros, c'est un peu ça, là. En tout cas. Puis, tu as plusieurs fonctionnalités. Par exemple, si tu prends ta guitare, vous voyez le pitch bend qui est un nouveau, qui est une nouvelle fonctionnalité. C'est parce qu'en fait, vous pouvez le faire varier dans ce logiciel, mais c'est juste comme ceci. Voyons. OK, bon. Je sais pas, il sert à quoi, là, mais en tout cas, sensibilité, pression, plein d'autres affaires. En tout cas, fait que là, comme je vous ai montré, quand vous créez des ensembles, ben, vous pouvez associer plusieurs instruments pour un ensemble. Puis aussi, ben, pour un instrument, vous pouvez associer plusieurs échantillons. Fait qu'en gros, ben, c'est ça. Là, ce que vous avez, c'est vous avez aussi, mettons, l'étendue. C'est que, mettons, pour glace, ouais, c'est ça. Vous avez les notes ici, de 0 à 127, puis la vélocité de 0 à 127. Ça, dans le fond, c'est juste les. Comment je pourrais dire ça? Attaque, maintien, decay, release, ou pour ceux qui sont familiers au logiciel de création musicale, il va savoir de quoi je parle. Sinon, ben, vous avez une fonctionnalité pour vous enregistrer au micro. Puis quand vous avez fini, vous cliquez ici, sauvegarder sous, puis vous pouvez sauvegarder au fichier SF2. Après ça, vous l'essayez dans votre logiciel de création musicale pour voir si ça fonctionne. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est exporter la banque son. Ça peut être en .sf3, .sfz, qui est des fichiers compressés, qualité haute, moyenne, basse. Malheureusement, ce sont des formats de fichiers qui ne sont pas pris en charge par notre fameux logiciel gratuit LMMS. Fait que. Si jamais vous voulez utiliser le logiciel de Polyphone Soundfont Editor, je pourrais mettre le lien de fichier, ben, je veux dire du logiciel, dans la description. Et c'est ça. Vous avez plein de fonctionnalités. Je pourrais peut-être pas tout vous expliquer. Fait que c'est ça. Je vous ai montré un peu la base de comment fonctionne ce logiciel. Puis vous avez aussi les préférences. Vous pouvez, mettons, modifier la sortie audio, haut-parleur, direction, peu importe ce que vous avez. Puis vous avez aussi l'interface que vous pouvez personnaliser à souhait.
clavier virtuel, banque de son en ligne ou bah, peu importe. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.